Donc voilà, ça c'est chez moi. Tu vois. C'est le chemin que je prenais pour aller à l'école quand j'étais petit. Et maintenant, je suis vieux. Et voilà, le chemin est toujours aussi sympa, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Tu vois, c'est marrant parce que juste là, en dessous, c'est la maison de mes parents. Et tu vois, dans ce petit coin là-bas, eh ben, il y a un virage. Et c'est là où mon frère s'est tué en voiture, il y a 17 ans ou 16 ans, ou je sais plus, enfin, il y a, voilà, ou 18 ans. Je sais plus. Voilà. Le temps passe, c'est joli chemin. Il s'appelle le petit chemin. Ça s'appelle le petit chemin. Alors, tu vois, il y a des murs dans tous les sens. C'est super cool. Je voulais commencer la vidéo. Enfin, j'ai eu l'idée de la commencer juste maintenant, du coup, c'est un peu con. En même temps, c'est le genre de vidéo un peu débilos, tu sais, qui dure des plombes, où on voit un mec marcher dans un chemin. Voilà. Donc voilà. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, putain. Qu'est-ce que ça fait du bien de bouger son cul dans la terre et dans la campagne et dans la montagne. Putain, la Seine-Saint-Denis, j'en ai plein le cul. Mais alors plein le cul. Mais ici aussi, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul de partout. Je trouve pas ma place. Je trouve pas ma place. Les gens ici, ils se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont. Ils se rendent pas compte. Tu vois, ce champ-là. Eh ben on faisait de la luge quand on était gamin. Je te raconte pas, c'était un putain de champ. Quand on était môme, ça faisait une descente de malade. Et ce chemin-là, tu vois, eh ben ce chemin, on le prenait avec le. Alors, on le prenait à la luge aussi. Quand on revenait de l'école, on montait à l'école avec notre luge. Alors, je sais plus si on descendait. Non, on devait pas descendre par le chemin. On devait descendre par le champ. Le chemin c'était un peu casse-gueule. Voilà. Du coup, voilà. Voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre à part voilà. Et puis ici, il y avait une fosse à purin. Hein, quand on était gosse. Et ça puait. Mais ça sentait pas bon. Et il y avait des fuites. Je sais pas si c'était pas par là. Enfin bon, bref. Une fosse à purin, quoi. Et il y a encore des relents. Hein. Ça sent encore un peu la merde. Non, maintenant c'est les poules. Enfin bon, voilà quoi. Et donc je suis né là-dedans, moi. Alors ça, c'est l'animal favori de ma fille, Loulou. Elle ne supporte pas les poules. Elle les supportait pas. Voilà. Petit coup d'œil. Petit coup d'œil sur ce qui semblerait bien être un petit morceau de paradis. Voilà. Puis là, on arrive à la route. Oh putain, qu'est-ce que ça fait du bien de marcher dans de la terre. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça guérit tout, marcher dans la terre. C'est un truc que les gens ils comprennent pas, ils savent pas, mais comment tu te détruis quand tu marches sur du goudron. Et voilà, on retourne sur le goudron. Et là, le petit chemin, le petit village, avec son petit clocher. Et ces petits souvenirs. Voilà.
rien qui a changé. Hein. Le seul truc qui a changé, c'est qu'il y a plus de voitures qu'avant. Et que c'est devenu plus petit parce qu'on est devenu plus grand. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est une jolie balade. Hein. Viens au pied, cette espèce de chien là qui vient jamais au pied. Hein, il obéit pas. Pourquoi t'obéis pas? Pourquoi t'obéis pas? Et ben voilà. Et là on a des petits vieux là. Et ben voilà, c'est bien cool. Le petit café du centre. La petite église. Et puis là, il y avait un magasin où on allait chercher nos bonbons. Voilà. Et puis on passait par là pour aller à l'école. Et voilà. Et là, ça continue. Et tout droit, c'est le GR7 qui rejoint le 65. Je ne sais où d'ailleurs. J'ai le nom en tête, mais je ne l'ai pas vraiment en tête, mais je l'ai au bout de la langue. Voilà, donc c'est quand on est parti sur le chemin de Compostelle avec Loulou, on a pris ce chemin là tout droit avec les sacs à dos qui nous emmènent dans un premier temps à la Jasserie. Et puis après ça nous amène très loin, très très loin. Voilà. Voilà, il y a un peu de route, après ça remonte, ça va dans la montagne, dans la campagne. Voilà, tous ces endroits où les gens se retrouvent le soir après le boulot ou le week-end. Voilà, c'est bien cool. Et là-bas, tout au bout, là-bas. Et ben c'est Lyon, avec ses cons de Lyonnais. Voilà. Et là, on est dans le mont Pila. On est dans le Pila. Si ça te parle. Moi, ça me parle. Hein. J'ai grandi ici. Voilà.